C'est blanc, cet espace. En plus, c'est vide. Et ça fait de l'écho quand je parle. C'est très différent de l'autre côté des murs. Là, par exemple, derrière ce mur-là, il y a un skatepark. J'ai passé du temps à observer les skateurs quand je suis arrivée. En fait, ça me rappelle ma petite sœur qui faisait du skate. Elle faisait aussi faire du skate à ses chiots. Ça, c'est eux qui me foncent dans les pieds. Du coup, je me suis dit que ça serait une très bonne idée de faire quelque chose avec des chiens skateurs. Donc j'ai été sur Internet et j'ai trouvé Oscar. Il est assez doué. Et puis il y a un bulldog aussi. J'ai aussi trouvé des images de chiens qui faisaient que poser, comme lui. Du coup, après avoir passé du temps sur Internet, j'étais persuadée que tous les skateurs avaient des chiens. Et puis, un ami artiste qui fait du skate m'a dit qu'en fait, les skateurs avaient pas de chiens. Que je devais pas les confondre avec les punks à chiens, que d'un côté il y avait les punks à chiens et de l'autre côté il y avait les skateurs. Et il m'a quand même conseillé d'aller les voir et de leur poser la question caméra à la main. Il m'a aussi prévenu que je devais pas m'offusquer si, quand je leur demande s'ils ont des chiens, ils me parlent de levrette. Alors je me suis un peu imaginée en levrette. En levrette, enfin la femelle du lévrier. Et du coup, ça donnerait quelque chose un peu comme ça. Mais je suis quasi sûre que c'était pas de ça dont il parlait. Derrière ce mur-là, il y a ce qu'on appelle la plage. C'est une sorte de terrain de foot ou de volley avec du sable. Là, j'ai recopié la fresque et je me suis mise devant. En tout cas, cette plage, ça change des plages qui puent la sueur et la crème solaire. Et au moins sur celle-là, il n'y a pas de problème de requin. Ça, c'est une dent de requin blanc. C'est assez énorme en fait. Et ça donne des gens assez croqués. Derrière ce mur-là, il y a des rails qui mènent nulle part. C'est assez flippant la nuit. En plus, c'est juste devant un terrain vague. Derrière moi, à ma droite, il y a des ateliers d'artistes. Lui, c'est François. Il joue merveilleusement bien du piano. Derrière moi, à ma gauche, il y a des bureaux. J'ai trouvé des post-it dedans.
Les post-it, c'est parfait pour faire des grenouilles sauteuses.